J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et très contente d'être là aujourd'hui pour cette autre astuce beauté. Oui, aujourd'hui, on revient avec la beauté. Je viens avec vous partager cette autre astuce. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais un peu bien, disons ça comme ça. Je sais pas, j'ai une grosse migraine depuis, mais bon, ça commence à y aller. Aujourd'hui, je me suis dit, j'étais là, je devais faire cette vidéo depuis quelques heures déjà, j'étais fatiguée et tout. Après, je me suis levée, je me suis dit, ok, allons faire cette vidéo, peut-être ça va me redonner toutes les forces dont j'ai besoin. Donc, aujourd'hui, nous allons faire cette vidéo. Je tiens déjà à remercier tous ceux qui ont repassé les commandes, les savons. Oui, il y a des gens qui ont repassé la commande. Ça veut dire qu'ils ont aimé le produit et il est bien d'avoir des Ça veut clients dire que les gens fidèles. aiment le produit. Aujourd'hui, je viens avec une astuce beauté, un produit qu'il n'y a pas dans ma boutique. Je me suis dit, je vais partager ça avec vous. C'est vrai, avec vous, c'est pas du donnant, 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 mais bon, c'est avec passion que je fais ceci, comme je dis. Moi, j'aime la beauté, que ce soit physique ou interne. Donc, je partage toujours avec vous. Je m'attends à ce que vous partagiez les vidéos, que vous me taguiez sur vos pages ou quoi que ce soit, quoi que ce soit. Mais bon, ça ne se fait pas. Ce n'est pas grave, mais je suis toujours là. Vous pouvez regarder ma dernière vidéo. Elle a 150 vues. Ça ne me fait pas abandonner. Ça ne me fait pas laisser tomber. Aujourd'hui, Je nous sommes suis là pour une nouvelle astuce beauté. Nous allons faire un sérum pour la face. Un sérum pour le visage. Tout le monde connaît la vitamine C, mais comment la manipuler, comment la mélanger, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, comment obtenir sa propre poudre de vitamine C à la maison si on ne peut pas l'acheter en ligne. Nous allons voir ça ici tout au long de cette vidéo. Si c'est la première fois que vous êtes là, ne manquez pas de vous arrêter, de cliquer sur subscribe, ne manquez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les autres recettes beauté. Donc, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser avec. Par vous présenter les produits. Là, je bagarrais avec mon flacon de machin de poudre de vitamine C ou la poudre d'acide ascorbique. Je bagarrais à ouvrir et j'ai finalement fini par ouvrir ceci avec un couteau. La vitamine C, pourquoi faire un sérum à la vitamine C pour notre visage? Si vous avez un visage à acné comme moi, et ou alors vous avez beaucoup de taches brunes ou noires sur votre visage ou une autre partie de votre corps, le sérum à la vitamine C est très bien parce qu'il stimule la production du collagène. Le collagène, c'est une substance que nous avons naturellement sur notre peau. Parfois, la quantité elle est faible, donc la vitamine C vient stimuler la production de ce collagène qui va rendre notre peau ferme et
élastique. Et la vitamine C, comment est-ce qu'elle nous débarrasse de nos taches car elle diminue la production de la mélanine. C'est pas que nous ne confondons pas ici de changer la couleur du teint. Et la mélanine, elle est très bien pour notre peau et nous protège. Ici, la production de la mélanine, c'est au niveau des taches noires et taches brunes. Ça va faire qu'il y ait balance et équilibre au niveau de notre peau, que nous ayons ce teint uniforme. Ici, et aussi, est très riche en antioxydants qui est en synergie avec la vitamine C et réagit encore plus sur notre visage. Nous aurons besoin d'un flacon comme celui-là, un flacon sombre. J'ai pris un flacon noir, c'est une vitamine C que j'avais acheté auparavant. Pourquoi un flacon sombre? Ça empêche que la lumière traverse au niveau de notre flacon et décrise l'action et l'activité de notre vitamine C. Donc là, utilisez toutes les couleurs bleu, blanc, noir. Ensuite, nous aurons besoin d'eau distillée. C'est ça dans le bol blanc. Nous aurons besoin d'eau distillée et nos cuillères pour mesurer notre eau et notre vitamine C. Si vous n'avez pas de l'eau distillée, faites bouillir votre eau simplement et laissez refroidir à fond et vous aurez une eau naturelle sans il n'y aura aucune réaction ou quoi que ce soit. Là, j'ai mesuré 4 cuillères à soupe d'eau. 4 cuillères à soupe d'eau que je vais mettre directement dans mon flacon. C'est pourquoi on demande de ne pas mettre la vitamine C sous le soleil parce que au lieu d'avoir l'effet d'enlever les taches, diminuer les taches brunes, ça aura l'effet contraire. Ça va encore accentuer ces taches brunes et taches noires sur votre visage. Là, c'est la partie la plus grôle. J'ai pas voulu enlever au autre. J'ai voulu faire une sorte de petit entonnoir pour faire passer la peau. Après 4 cuillères à soupe, je vais prendre une cuillère à café de ma vitamine C. Oui, j'ai pris comme la moitié. Oui, c'est une cuillère à café parce que la cuillère, elle est grosse. J'ai pris une cuillère à café de la vitamine C que vous allez mettre directement dans votre flacon. J'ai barré, comme j'ai pu, vous allez voir, mais j'ai finalement pu mettre la poudre dans le flacon. Peut-être vous aurez une astuce mieux que la mienne pour faire rentrer ceci. J'ai fini par démissionner de l'entonnoir et j'ai retourné le papier. Là, ma fille a fait bouger la caméra. J'ai fini par faire ici. Ok, et j'ai pu mettre la poudre dans le flacon. Après avoir mis ainsi directement, vous fermez le flacon, pas besoin de lumière, et vous secouez très bien. Ça se dissout comme du sucre ou du sel dans de l'eau, ça se dissout facilement dans de l'eau. Quand vous avez ainsi, vous pouvez ajouter, pardon, pour ajouter la vitamine E. Si vous n'avez pas la vitamine E, vous pouvez ajouter, si vous avez une peau sèche, vous pouvez ajouter la glycérine végétale à ceci. Moi, j'ai pas mis de glycérine parce que j'ai une peau grasse. J'ai laissé ça simplement ainsi. Ne laissez pas votre peau ouverte. Il faut fermer directement. Vous voyez même le flacon dans lequel on vend la poudre de vitamine C est sombre. Après 24 heures, comme vous voyez, j'ai emballé dans du papier alu. Après 24 heures, je peux utiliser ma vitamine C. Plus besoin de papier alu. J'enlève simplement. Vous enlevez. Vous enlevez et là, je vais prendre un coton disque. Je vais secouer pour rien parce que c'est déjà mélangé. Donc, je vais prendre un coton disque que je vais utiliser pour appliquer mon sérum parce que c'est juste de l'eau, c'est très liquide. Par contre, quand vous ajoutez de la glycérine végétale, vous n'avez pas besoin d'ajouter, d'utiliser un coton disque parce que c'est suffisamment épais. Vous allez prendre quelques gouttes et
appliquer sur votre visage. Là, je suis obligée d'utiliser le coton parce que c'est très liquide. Mais après, je vais mettre un peu sur ma main et juste tapoter un peu. Donc, vous secouez. Vitamine C qui est prête. Là, voilà, elle est prête. J'ai utilisé un flacon que j'avais déjà, comme je vous ai dit dans la vidéo, un flacon que dans lequel j'avais acheté de la vitamine C il y a longtemps. Je me suis Donc, dit, OK, il merci faudrait d'avoir. peut-être. Regardez, ne manquez pas, comme je dis, partagez toujours avec la voisine, avec vos copines, avec les amis, les recettes que je partage ici avec vous. Si vous n'avez pas regardé la dernière recette, allez regarder les ovules à l'aloe vera. Très efficace, très bien pour la santé et la propreté de notre rosy. Désormais, il y a un numéro WhatsApp que je vais vous laisser sur la barre d'infos où vous pourrez causer avec Passil. Vous pourrez me dire, je vais mettre ça là. Vous pourrez poser toutes vos questions, Passer les faire des ordres, achats. Est-ce n'est-ce qu'on peut avoir un numéro WhatsApp? Ce sera plus facile. Oui, il y a un numéro WhatsApp que je vais vous mettre là maintenant. Et au niveau de la barre d'infos aussi, allez regarder, je vais mettre le numéro. Là, vous pourrez me contacter, poser toutes vos questions et parler de tout ce que vous voulez. Le numéro WhatsApp, il est là, disponible. On se dit à la prochaine vidéo. Et sur ce, Passil vous love. Bye bye.